Bonjour tout le monde, me revoilà avec une petite boîte Mix & Media. Alors celle-ci n'a pas été réalisée en tuto, c'est une petite boîte que je réalise à la demande de ma sœur pour une de ses petites filles, donc une de mes nièces. Donc je ne la publierai pas. Alors là, moi, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, nous sommes le 5 février. Je ne publierai pas cette vidéo maintenant puisque elle va être offerte, cette petite boîte, au mois d'avril. Mais je vous tourne la vidéo maintenant pour vous partager ma réalisation, tout simplement. Voilà. Avant qu'elle parte chez ma nièce. Alors, j'ai réalisé cette boîte avec une boîte en bois, toujours. Une feuille de riz de la boutique de Ninon, comme d'habitude. De la pâte de structure, des pochoirs et des encres de chez Ninon également. Alors, je vais arriver à me rappeler le nom de mes encres. Quand ça ne vient pas, ça ne vient pas. J'ai réalisé cette boîte avec les encres Lindy's. Il fallait que ça me revienne. Et ça ne revenait pas. J'ai été chercher un flacon. Voilà. Alors là, j'ai deux feuilles de cette collection. La même collection, mais deux feuilles différentes, puisque j'ai utilisé deux boîtes. Vous verrez la deuxième ensuite. Voilà. Je vous fais le tour de ma petite boîte déjà. Encre Lindy's et cire Prima, comme toujours. Et l'intérieur. Alors, je précise que c'est pour une jeune fille qui est très girly. Il fallait que ce soit tout rose. Donc voilà, même l'intérieur est rose. Une petite boîte qui va lui servir pour ranger des pinceaux de maquillage, précisément. Voilà, et je vous montre dans la foulée. On va en faire une deuxième vidéo pour la deuxième. Voilà. Mais je vous laisse avec cette petite vidéo en musique et je vous dis à bientôt.